Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour s'ouvrir une petite ETV destinée radieuse. Donc voilà, si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous savez que cette vidéo allait arriver. Donc évidemment, parmi tous les items que je vous ai présentés, je me devais de commencer par cette ETB parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà sorties. Et franchement, j'avais beaucoup trop hâte d'ouvrir cette ETB et de vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc écoutez, on va se la déceler puis on va découvrir tout ça ensemble. Donc voilà, l'ETB est décellée, elle ressemble à ça sans plastique, donc il n'y a que les petits détails dorés qui brillent, c'est vraiment trop joli. Hop, on enlève le petit couvercle, on a le guide de jeu, donc avec toutes les cartes normalement à l'intérieur, avec donc certaines explications pour des cartes, voilà, donc après il y a la liste des cartes juste ici. Et la boîte, elle est trop belle, voilà à quoi elle ressemble. Alors je suis désolée, le champ est un peu réduit. Du coup ça brille un peu et dessus ça brille aussi je suppose, ouais ça brille. Je suis désolée, hein, je ne vais pas vous la montrer en entière mais le champ est un petit peu réduit. Et du coup à l'intérieur, quand on enlève, nous avons de très belles choses. Alors je vais tout sortir et vous présenter un par un parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Alors du coup déjà il y a les petits dés, donc ils sont marron, donc marron et noir hein, comme les couleurs de l'ETB. Donc très sympa avec le signe de la série juste ici. Évidemment les règles du jeu, voilà, donc ils nous expliquent les règles du jeu tout simplement, c'est écrit dessus. Là on a des marqueurs de dégâts. Ici on a un code que je vous donne, c'est cadeau, le petit code pour, je crois que c'est pour avoir Evoli je pense. Le petit deck d'énergie, également les séparateurs ici de deck, donc ils sont comme la même matière que ceux de EB5, donc de l'ETB EB5 de Chifours. 1000 points que j'ai ouvertes sur la chaîne, donc voilà, ils sont très quali, ça fait plaisir. Le petit paquet de 65 sleeves, comme d'habitude je vous en sors une. Et du coup les sleeves sont aussi comme les chiffours, elles sont mates et un peu moins transparentes ici. Et un peu plus légères et moins lourdes par contre. Donc personnellement je les trouve plutôt sympathiques, hein. Le mat ne me dérange pas plus que ça. C'est plus perturbant que ça dérange en fait. Et du coup la magnifique carte promo, elle est trop jolie en vrai. Il fait un peu gros comme Pikachu VMAX, mais franchement elle est très mignonne, c'est la numéro 4. 87 pour ceux qui ne savaient pas. Elle est très jolie, je vais la garder dans son emballage parce qu'elle code beaucoup plus, enfin elle code beaucoup plus. Elle a plus de valeur scellée en tout cas. Et de toute façon je la vendrai probablement avec l'ETB. Je ferai un lot comme j'ai l'habitude de faire avec les ETB. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Si vous voulez la voir hors blister, hors son papier, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur YouTube. Vous l'avez déjà probablement déjà vu. Et voilà, n'hésitez pas à aller vers d'autres vidéos aussi. Hein. Et nous avons le plus intéressant, les 10 boosters. Donc on compte bien, on sait jamais, il y en a peut-être 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. Donc je vous remonte les illustrations. Dracaufeu, Corvalus qui m'a préféré, Salarsen et Lansourien. Donc on va l'ouvrir, enfin ouvrir les boosters dans l'ordre à laquelle ils étaient, j'ai rien bougé. Et évidemment on espère sortir des cartes des cartes lourdes quoi. On veut de la chaîne IVMAX, on veut du Black Gold. Et donc sans plus tarder, nous sommes partis pour ce premier booster de cette ETB. N'hésitez pas à partager vos pioches si vous avez ouvert des ETB. Hein. Et donc j'ai eu cette ETB sur le site de Pokémon en précommande. Malheureusement il n'y en a pas disponible et il n'y aura pas de réassort tout de suite en tout cas. Donc voilà, soyez patients si vous en voulez. Free Sony, mais prévoyez aussi pour les prochaines séries comme ça, même pour je pense EB6, hein, parce que EB6 ça a été teasé, je spoil rien, pas la date, rien du tout. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir, mais ça a été teasé, la date de sortie officielle a été teasée aussi du coup. Mais prévoyez, réservez, appelez-vous en grande surface, enfin en grande surface, je sais pas si vous avez une réservation, mais appelez vos magasins de jouets pour réserver, je sais que Jeux Club fait des réservations. Donc prévoyez pour ceux qui n'ont pas forcément prévu pour ici EB4.5, ou aussi prévoyez les précommandes sur internet. Alors, en reverse, nous avons un Musteflotte et comme première carte, nous aurons une petite ultra avec un rond Grigouvet. Ça fait super plaisir. On commence avec une petite V des familles, comme on dit. Non, franchement, trop cool. On commence trop bien avec une V. Voilà, j'espère qu'on va exploser le quota sur cette ouverture de TB. J'espère que ça vous fait plaisir. On va peut-être en ouvrir une deuxième, c'est pas sûr encore. Hein. Ça va vraiment dépendre de la pioche, en fait, qu'on va avoir ici. 1, 2, 3, 4... Hop, et du coup, en parlant de Pokémon juste avant, n'hésitez pas, hein, si vous avez vos petites commandes à faire, soyez aussi au rendez-vous pour les précommandes de EB6. Bon, elles vont pas arriver tout de suite, mais vraiment, je pense que cette série va être incroyable. Enfin, faut pas que je spoil, parce qu'il y en a qui veulent pas être spoilés, donc je vais rien dire, mais prévoyez, et à la fin de votre commande, si jamais vous avez déjà votre panier, ou pour plus tard, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, la Pokéstop, qui vous donne 2% de réduction. Alors, nous avons un Brindibou, et derrière, nous aurons un Torgamore en rare. Ok, allez, une petite rare. On enchaîne sur le troisième booster.
Hop, je les ouvre plutôt rapidement maintenant les boosters, j'ai pris le coup de main. Du coup, je rappelle un petit peu les objectifs. Donc, il y a toujours la Reshiram qu'on n'a pas eu parce que Reshiram, c'est mon Pokémon préféré légendaire. J'aimerais aussi beaucoup une Black Gold, si possible la VMAX. Aussi, la Dracaufeu, évidemment, ça c'est le goal de tout le monde. Sinon, Métamorphine VMAX, que j'aimerais beaucoup avoir. Cracnois. Attendez, mais j'ai dit la Black Gold, mais je suis bête, ça c'est dans... Oulala, et je mélange les séries. C'est dans EB5 les Black Gold. Mais j'ai un gros doute maintenant. Ok, je mélange totalement les séries, autant pour moi. C'est compliqué à suivre, hein, vraiment. Et en Shiny, j'aimerais beaucoup avoir un Suicune, parce qu'il est vraiment très très joli. Et du coup, on a deux petites rares dans ce booster. Mais du coup, mais c'est bien dans... faut que je vérifie. Bah du coup, j'ai pas mon téléphone utilisé. Mais je dis des bêtises là, la Black Gold c'est dans EB5. Je suis totalement paumée. Je vous jure, c'est ultra compliqué de jongler entre deux séries. Hein. Je confonds les trucs, mais à un point. Allez, la petite Shiny, là, on en a toujours pas eu. Luxio. Et si aussi en Shiny Corvalus, parce que c'est mon Pokémon oiseau préféré, donc j'aimerais bien l'avoir. Goupilou, Hippotramp, Frissonille, en Reverse, un Smogo. Et derrière, nous aurons un Volcanion en rare. Allez, on a toujours rien, mais on espère que tout sera à la fin. Pour un beau petit final. 1, 2, 3, 4. Et on est parti avec ce booster avec une énergie acier, éperouillé, blanc coton, et flèche, Morpeko, Mustéboué, Goupilou, Cacnea, Charibari, en reverse, un Motisma, et derrière un Luxray holographique. Ok, pour l'instant, c'est pas très, très, très chanceux hein, pour le coup. On y croit encore. Il nous reste quand même pas mal de boosters. On a fait la moitié. Donc, il y a encore de l'espoir. Allez, 1, 2, 3, 4. Et au pire, si la pioche ne me satisfait pas, j'en ai une deuxième. Au cas où, pour rattraper tout ça. Énergie, Omus, Teflot, Tropius, Dresseur d'arène, Yanma, Morpeko, Smogo, Tournicoton. J'essaie d'aller un peu plus doucement parce que ça, je passe très vite. Alors, en reverse, nous avons une Shiny et nous avons... je m'y attendais pas, j'adore Galopa et Galopa de Galar, j'adore. Mais c'est vrai que je l'avais totalement zappé. Galopa de Galar Shiny, elle est incroyable. Oh, en full art, elle doit être magnifique. D'ailleurs, il y a le coffret Galopa de Galar que malheureusement j'ai vu trop tard. Hein. Mais sinon, je l'aurais précommandé avec plaisir. Waouh, elle est trop belle. Galopa de Galar Shiny, ça fait trop plaisir. Et derrière, un ordre du boss. Oh là là, trop contente. Trop cool, petite Shiny. C'est vrai que j'aurais pu la mettre dans mes goals, celle-là, parce que j'adore Galopa. Galopa de Galar, j'aime beaucoup. Hein. Ça fait très My Little Pony, mais franchement, ça passe, quoi. Donc, ok, très cool, une petite Shiny que j'aime bien. Donc, ça fait plaisir. On met sous slip, puis on va enchaîner pour pas non plus que la vidéo dure trop, trop longtemps pour vous. Et, évidemment... On y croit encore pour sortir une belle VMAX Shiny. 1, 2, 3, 4. Et nous sommes partis. Vous êtes nombreux aussi à me souhaiter de sortir la Dracaufeu VMAX. Donc merci, ça fait super plaisir pour le soutien. J'espère vraiment vous la sortir du coup. Mais elle est un petit peu rare quand même. Et vu sa cote, c'est normal qu'elle soit rare. Alors Evoli en reverse, un Whistempo. Et derrière, nous aurons un Zarude en rare. Allez, 3 boosters. Corvalu, j'ai confiance en toi. On finit pas sur Corvalus malheureusement, mais Corvalus, tu m'as été plutôt chanceux, donc j'ai confiance. Allez, 1, 2, 3, 4, et nous sommes partis avec une énergie feuille, Luxio. Dresseur d'arène, en attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like sous la vidéo, mettre un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Mimigal, Lixie, pas tout de suite, Hippotramp, en reverse, nous avons... Une Shiny, donc ça c'est cool. Un petit Dratatin, je l'ai déjà tiré. En vrai, c'est vrai que vu le nombre de Shiny qu'il y a, j'aimerais beaucoup tirer que des différentes, mais forcément c'est impossible. Petit Dratatin que j'aime beaucoup, mais je trouve vachement neutre en Shiny, donc c'est un peu dommage pour son Shiny. Et derrière, nous avons une petite 73 encore. Ça fait 4 fois que je la tire. 4 Charmini VMAX. Bon, je t'aime bien Charmini, mais là franchement 4 fois. Hein. Et les deux premières fois que j'ai tiré, c'est dans un seul coffret pins, genre 3 boosters. Et les deux derniers boosters, il y avait les deux Charmini. Je suis très contente, mais il me colle. Il n'y a pas d'autre secret dans cette série parce que j'ai tout le temps le même quoi. Non, en vrai, je suis super contente. Ça, c'est un très bon booster. Par contre, on n'a pas de grosses cartes. J'ai trop envie de sortir des grosses cartes, des Shiny Foulard, des Shiny VMAX. Après, j'en demande peut-être beaucoup.
Donc non, franchement trop cool. Petite ultra, hop, on met ça sous protec. Et on va enchaîner pour les deux derniers boosters. C'est vrai que ma réaction peut paraître pas très épique, mais en même temps la carte elle sort tout le temps. Elle cote pas beaucoup, hein. Elle cote moins que... Elle est à moins de 10€ pour une secrète, pour vous dire à quel point elle sort beaucoup. Allez, Salarsen. Salarsen, vends-nous du rêve. Salarsen, tu étais le booster le plus chanceux pour moi dans Clash des Rebelles. Donc, continue de l'être, j'ai envie de dire. Allez, énergie électrique, Badaboin, Éperouillé, Motisma, Yanma, Frissonir, Charibari, Wistempo, Mustéboué, en reverse, un Nippo trempé. Derrière, on a une petite VMAX, Nostanfer. Je l'ai pas tiré celle-ci en VMAX, Nostanfer. Je sais plus du tout. Très belle VMAX, franchement très cool. Waouh, très sympa, hein, franchement. Ouais, les VMAX dans cette série, je suis agréablement surprise aussi par la Sinistrail, hein, qui est très très colorée. Et franchement, c'est magnifique, mais la Nostanfer est très belle aussi. Pas déçu du coup, avec ouais, le fond en fait, il est très très joli. Bah, petit Nostanfer VMAX, ça fait plaisir, une petite VMAX. Maintenant, vous sortir la Shiny VMAX, pas que la classique. Mais ok, super. Allez, on enchaîne. Pour l'instant, c'est une bonne petite TB, je trouve. Malgré le fait qu'on n'ait pas de Shiny Full Art, donc VMAX ou Full Art. C'est vrai que c'est un peu dommage sur 10 boosters, mais allez, on y croit. Et puis au pire, il y a d'autres ouvertures qui vont arriver, que ce soit EB5 ou EV4.5. Allez, dernier booster, Énergie Combat. Éperouillé, Blancoton, Tropius, Morpeko, Mimigal, Mustéboué, Brindibou, Craquenois. Allez, on fait durer le suspense un petit peu. Oh, une bleue, Suicune s'il te plaît. Oh, Torgama, oh il est vert. Il est trop bon, Shiny. Il pourrait passer comme ça en classique et du coup l'autre couleur en Shiny. Ça passerait crème. Oh, il est trop beau, Kelocroc. Kelocroc, Torgama, Kelocroc, c'est sous évolution. Waouh, j'aime beaucoup son Shiny par contre. Quand il sera dans Pogo, je vais essayer de l'avoir, hein, parce que franchement il est trop beau. J'aime beaucoup. Bah très... Ok, on découvre une Shiny, donc ça fait très plaisir. Et derrière nous aurons... Ah bah tiens. Voilà, du coup on peut comparer. Un Torgamor du coup Shiny et non Shiny. Donc il y a aussi sa coque qui change ici, qui est marron foncé et là elle est plutôt orange ou marron clair. Et du coup sinon il est vert et là il est bleu. Waouh, bah franchement il est super joli en Shiny je trouve. Je le préfère en Shiny qu'en bleu comme ça en vrai. Bon, après je préfère le vert ou bleu, donc bon, vous me direz. Mais trop cool, ben, on finit quand même sur une, pas une grosse Shiny, mais une nouvelle Shiny, donc ça fait super plaisir. Du coup on va faire un petit récap, donc j'ai pas pris Lolo parce qu'on a eu quand même pas mal d'ultra qui sont dans ma main actuellement. Donc on a eu un petit Rongrigou V, ensuite un Charmy VMAX, alors je le mets là même si c'est une secrète parce qu'en fait je fonctionne beaucoup en fonction des codes des cartes, genre de la rareté on va dire. Donc petit Charmy VMAX Rainbow qui m'aime vraiment bien pour le coup, un Nostanfer VMAX, il est trop joli. Franchement très très contente des VMAX de cette série, hein. Elles ont pas été mises de côté donc ça fait super plaisir. Donc très joli Nostanfer. Ensuite un Dratatin Shiny, donc une petite Shiny, c'est cool. Un Torgamor, donc nouvelle Shiny qu'on découvre et qui est franchement très jolie. Donc trop trop contente. Et un Galopade Galar aussi, donc très agréablement surprise parce que je l'avais totalement zappé. Et ouais, en vrai j'aurais pu la mettre dans mes goals, hein. Franchement je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans mes goals mais... trop trop joli. Du coup en tout on a eu 3 shiny, bon c'est pas beaucoup non plus sur 10 boosters mais on va se rattraper avec la deuxième ETB. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est finie du coup. J'espère que cette petite ouverture vous a plu, hein. Restez bien sûr au taquet en semaine, il y a des vidéos qui vont popper. Il y aura toujours les ouvertures dimanche et mercredi, mais voilà, il y a de temps en temps des mardis ou des vendredis où il y a une petite vidéo ouverture qui va arriver comme ça. Donc au niveau des horaires c'est 10h le vendredi ou 18h, et le mercredi c'est 18h ou 15h, enfin ça dépend un peu de... En principe c'est 18h le mardi, je crois que j'ai dit mercredi, mais mardi c'est 18h. Enfin bref, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.